Bonjour, bonsoir tous les amis, faisait la caillou. C'est un plaisir pour moi pour me capable rencontrer nous dans objectif pour me capable faire nous joindre dernière information cap dominer actualité à dans pays d'Haïti. Cette fois-ci nous pour aller dans Petro-Caribé. Et comme nous t'ai déjà connaît que ancien premier ministre Laurent Lamothe était gain pour être capable présenter devant juge instructeur Ramon Site. Eh bien, matin, bien bonheur, 6h, 7h du matin, eh bien, Laurent Lamothe, il était déjà dans le tribunal là. Livington, juge Ramon Site, nous connaissons et à quelle heure que bureau l'ouvrir en Haïti, c'est après les 8h du matin, mais depuis à 7h, eh bien, Laurent Lamothe était déjà présent. Et après que nous faisons montrer nos vidéos, côté Laurent Lamothe, lui-même, il est sorti dans le tribunal là. Eh bien, nous allons présenter nous réaction Liliane Pierre-Paul. Nous connaissons Liliane Pierre-Paul, lui-même n'est pas prêté sans ne pas réactionner. Eh bien, nous allons présenter nos réactions Liliane Pierre-Paul. André Michel, que lui dit c'est un petit café, c'était blague, que Laurent Lamothe, il travaille ensemble avec juge Ramosite. Moi, invitez-nous pour nous capables de suivre l'information en détail dans la vidéo. Ça. Mais bien avant, je voulais inviter nous toutes, ou même qui pourquoi abonner la chaîne là pour capable faire ça, activer cette cloche là, comme ça, ou pas jamais rater ni une nouvelle que nous publions pas ici. Merci. Monsieur, me dis-nous que M. Laurent Lamothe était toujours disponible et l'a toujours disponible pour répondre à toutes questions que la justice pays a posées. Et qui sont répondre à l'accusation qui vous portez contre lui, M. Delcy? Ce n'est pas moi-même qui pour répondre, c'est la justice qui a fait travail. On nous était tendre, on nous était tête. Vous avez maté bonheur pour ça. Vous avez maté bonheur pour ça. Non, non, non. Instruction 1, il a commencé aux heures régulières que le tribunal fonctionne. Justement, nous avons droit, nous avons droit là, depuis 7h du matin à prétendre. Excusez-moi, mais instruction 1, il a commencé après 8h. La caille panou, c'est une surprise matin là que la presse Radio Kiskeya la était jeune alerte pour faire connaître ancien premier ministre gouvernement premier gouvernement tête calé Laurent Lamothe. T'es présent dans ça considéré comme palais de justice dans bicentenaire bien bonheur matin il était gain avec lui avocat et avocalio maître Stanley Gaston bâtonnier lord avocat Port-au-Prince mais tout maître Mario Delcy nous connaît il était recevoir convocation dans un juge instruction Ramos Itaximé dans dossier Petro-Caribéa mais le pas vini même gens à plusieurs là-dedans il a compté sous main dans 7 personnes qui étaient convoquées quoi c'est 2 qui étaient répondre. Dans le cadre d'enquête qui a mené sous l'agence qui fait fond et contrairement à l'autre monde était convoqué il est arrivé bien bonheur matin il pas de venir dans l'heure était convoqué là songez bien et s'est rattrapé le rattrapé lui mais il rencontré à juge instruction bien bonheur matin à 8h d'après ça un avocat le précisé ancien premier ministre qui était entouré à deux avocats qui a juste autre porte journaliste était constaté que tu gagné dans la coupe à la justice, non. D'abord, pas de faire déclaration. Les journalistes ont posé la question, mais après, il semble le raviser. Surtout les tactiques sur 25 stades. Et toujours abdi que le te fait dans l'agent Petro-Caribéa. Les journalistes ont demandé le bail nouvelle 25 stades. Il te voyé à Sainte-Thérèse pour être capable de jouer un stade. Il te fait yo. Avocat M. Mario Delcy, rappelé instruction secret. Ancien premier ministre, d'après ça, dit, a toujours été disponible pour si juge l'en besoin. Avocat a fait connaître présence ancien premier ministre. Non, non, pas de justice dans le matin. Il a commencé à l'heure normale à 8h, qui donc il devine bien bonheur. Et n'a pas écouté ancien premier ministre Laurent Lamothe, ensemble avec avocat Mario Delcy, et non, micro Vladimir Maurice Idoy.
Monsieur, l'instruction. Monsieur, est-ce que le pays a besoin de stade Zahou, même la mort? Même la mort, le pays a besoin de stade Zahou? Elle s'intéresse, vous, monsieur. Mais monsieur, la mort, c'est la mort. Infrastructure sportive va exister dans le pays. Va exister. Oui. Monsieur, l'instruction est secrète. Ok, écoutez. Laurent Campé. Écoutez, monsieur. Il y a une chose qui est claire. Ok, Laurent Lamothe est là. Ok, il a répondu aux questions du juge d'instruction. C'est tout. Ok. Qui s'agit d'un moment de l'état à disposition de la justice? Citoyen, l'instruction est secrète. Monsieur Laurent Lamothe lui répond à invitation juge là et lui répond à toute question juge là. Est-ce que le client peut tourner devant le juge? Est-ce que le client peut tourner devant juge là? Monsieur Laurent Lamothe, il est disponible, il était toujours disponible et il a continué à être à la disposition de la justice. Est-ce que magistrat Mandel Monsieur, mais dis-nous que M. Laurent Lamothe était toujours disponible et l'a toujours disponible pour répondre à toute question la justice pays a posée. Et qui sont répondre des accusations qui vous portez contre lui, M. Delcy? Ce n'est pas moi-même qui pour répondre, c'est la justice qui a fait travail. On nous retend, on nous retend. Qui ça? Monsieur, vocal, est-ce que vous êtes à vous? Monsieur, écoutez, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Ça nous dit à l'faux, l'archi faux. Allez vérifier dans le bureau juge là, n'a pas à qui l'instruction a commencé. Instruction 1, il a commencé aux heures régulières que le tribunal fonctionne. Justement, nous avons droit là depuis 7h du matin à prétendre. Mais instruction 1, il a commencé après 8h du matin. Monsieur, instruction a commencé après 8h du matin. C'est ça. Mais le fini bien rapide. Monsieur, bon, pas connaît. Voilà, c'était avocat qui t'a parlé, Maître Delcy, Mario Delcy. Alors, il y en a deux avocats. L'autre avocat, c'est Maître Stanley Gaston Batonnier, l'autre avocat Port-au-Prince. Well, la mode pas pratiquement voulait répondre à la question journaliste, seulement on était dans des petites déclarations, tout coûte qui fait. Et puis, le reporter nous a constaté présence agent unité spécialisée dans la police nationale là, dans l'espace palais de justice, dans un moment et ancien premier ministre était présent dans le cabinet juge là. Selon une source dans le palais de justice, là, ancien premier ministre Laurent Lamothe, avec juge instruction Ramosite Aksime, était parmi les gens qui étaient arrivés en premier dans le palais de justice, là, jeudi. Et puis, c'était deux amis qui tapent by blague dans le cabinet d'instruction. Et c'est réaction d'un avocat plaignant, Maître André Michel. Selon avocat, si juge n'a pas arrêté Laurent Lamothe, il n'a jamais arrêté personne monde dans le dossier Petro-Caribéen. Juge Ramosite Aksime, pas de courage pour mener dossier ça. C'est ça, Maître André Michel, qui était toujours et d'abord demandé juge d'en peut-être déporter après ça avec client qui était récusé.
et fait connaître l'annoncer et plaignant yo yo pral recuser juge dans lundi qui a venir là. Si toutefois juge dans t'a continué vle travail sous dossier a et li dit y a signifié CSPJ et recusation. N'attendez maître André Michel qui t'a parlé comme ça dans micro Ketia Jean-Pierre Tilo. Toute information me gagne, c'est pas ton interrogatoire qui t'a fait cabinet d'instruction. C'est blague qui t'a baillé, c'est deux amis qui t'a baillé blague. Mais je dis à un bagage qui est clair, tout le monde doit comprendre, c'est que si Laurent Lamotte, Laurent Salvador Lamotte, descend cabinet d'instruction, juge là, pas tout arrêté, tout qu'un bel mettez-le dans prison, ça veut dire juge d'instruction Ramon qui t'a signé, il n'y a pas jamais arrêté personne dans le dossier Petro Caribé. Tout le monde connaît, les dossiers sont là, les preuves sont là. Laurent Lamotte, c'est une principale monde qui vole le corps Petro Caribé. Et comme Mao disait que la guérilla doit progresser au rythme du guerrier au bleu blanc, nous-mêmes, nous toujours connaissons que Ramon Sitaksimé n'est pas capable de mener un dossier Petro Caribé. Journalistes, nous toujours connaissons que Ramon Sitaksimé n'est pas capable de mener un dossier Petro Caribé. Mais il y a un monde dans la population qui doit comprendre ça. Je dis à l'éclair pour tout le monde, Ramon Sitaksimé n'a pas suffisamment de courage, il n'a pas suffisamment d'indépendance pour conduire ce dossier. Peut-être pas, lundi matin, à 11h, lundi 2 septembre 2019, là, monde qui vote plainte, il y a descendu le cabinet d'instruction, disons, il y a descendu le palais de justice, et il y a un greffe tribunal là, il y a fait une déclaration de récusation contre Ramon Sitaksimé. Ça veut dire, à partir de lundi 4 venu là, Ramon Sitaksimé n'a pas rien, il n'a pas capable de faire dans le dossier Petro Caribé encore, il n'a pas attendre personne monde dans le dossier Petro Caribé encore, jusqu'à ce que la justice, jusqu'à ce que le juge cap bien pour trancher question récusation, hein, lui prononcer sous récusation, nous allons le faire. Et là, nous finissons récuser, nous avons signifié CSPJ, acte de récusation, hein, pour si il a continué à agir malgré récusation, hein, le sable pour CSPJ prend responsabilité. Tout compte fait, ça passe aujourd'hui, a confirmé ça aujourd'hui. Tout autant, Jovenel Moïse président, PHTK, Michel Matéli sous pouvoir, pape Jean Gain procès Petro Caribé, parce que voler pas contre juge voler. C'est ça que fait, c'est important pour le peuple à continuer à mobiliser, c'est important pour mobilisation à reprendre dans tout le pays, pour nous capables de retirer le monde au pouvoir, c'est seul gens pour le procès Petro Caribé arriver fait. Voilà, maître André Michel qui dit, c'était blague, juge d'Atabay, ancien premier ministre, premier gouvernement tête Caléa, Laurent Lamotte et Savine Baye. Et parmi groupe 7, ancien dirigeant, juge d'Ante convoqué, qui est-ce qui te répond? Et ou gagne ancien ministre Yves-Germain Joseph qui te répond, qui est allé dans le bureau juge d'Ante. Ou gagne tout Stéphanie Balmire en ville d'Ouen très discrètement, qui est allé dans le bureau juge d'Ante. Et ou gagne tout ancien ministre travaux publics Jacques Rousseau, lui-même était venu avec et boîte documents et pour te défendre tête li dans bureau et juge nan. Et puis avec Jounen Jodia, Laurent Salvador Lamotte, ancien premier ministre, ça fait 4 dans 7 convoqués qui étaient allés directement. Après ça, ou gen ancien premier ministre Jean-Max Bellerive qui était toujours dit prêt pour aller à la justice qui pas répondre. Et nous connaissons à travers avocat, il était allé dans le cabinet juge non. Même Jacques, Madame Marie-Carmel Jean-Marie, ancien ministre finance, en deux fois. Ou bien Wilson Lalo, ancien ministre commerce, ancien ministre finance, qui pat allé personnellement dans le cabinet juge instruction, qui a instruit et dossier ça. Jean que nous connaissons, mais juge ça qui en bas en pile critique et pression. Juge Ramosit Aksimé. D'abord, à un certain moment, il faut que nous disions, avocat plaignant, tu parlé bien de lui. Et puis, en après, depuis Datsab, et situation gâtée, et il te d'abord demandé pour déporter le quoi là, il pral récusé. D'ailleurs, il faut que nous disions, maître André Michel, tu annoncé, tu fait récusation depuis quelque temps. Nous ne savons pas exactement ça qui fait, c'est lundi, il pral faire. L'autre gros dossier, c'est président commission spéciale chambre députée qui a analysé dossier premier ministre nommé à cabinet ministériel. Ça nous connaît et pour la pour pon, il gain pour puisque des ministres qui pour entrer en fonction obligés de démissionner.
et n'a parlé de député Hermano Exinor et qui fait connaître bureau a déjà remettre commission la dirigée depuis hier nouveau arrêté ministériel qui gagne 5 nouveaux ministres qui remplacer ministre qui démissionné ou bien qui problème dans dossier yo représentant circonscription La Chapelle là dans chambre député a fait connaître depuis commission hein, te fin recevoir à nouveau arrêté ça qui pote signature ou l'autre premier ministre non maire parce que nous connaissons Jovenel Moïse, il y a deux premiers ministres alternativement qui ont signé arrêté avec qui sont galimatia juridique, qui ont déjà commencé à analyser le dossier. Ça, yo, c'est ça, et président de la commission spéciale l'a fait connaître. Député Hermano Exinor et parlé de trois sous-commissions qui ont même couché un foulard pour aller chercher pièces, tout ministre. Qui n'ont même pour vérifier. Donc, nous connaissons position Radio Kiskeya déjà sous des autres. Ça, nous pas quoi c'est comme ça l'État doit fonctionner. Et c'est des bagages qui doivent être faites de façon discrète pour vérifier rapidement. D'ailleurs, le fait qu'on président dit le nom de mon monde, il supposait, et crédit président a supposé couvrir et mon nom, ça veut dire qu'on instance, bon côté président déjà fait recherche, et c'est juste une vérification qui peut être faite. Bon, côté, non, mais de façon discrète, feutrée, parce que l'État n'a pas à fonctionner comme ça. Et député Exidor, bandé institution Sayo, pour yo bay, commission la dirigée à bénéfice de l'urgence, nous, ça déjà, bien tard, 10h du soir, côté directeur DGI, après les pour faire connaître que oui, effectivement, moun Sayo vient payer, c'est le véritable scandale. Donc, parce que l'État a aimé remettre bureau rapport enquête et pendant yo t'a mené sous moun yo nommé pendant week-end nan. Et puis en plus de ça tout nous connaissons la commission ça gagne yon nan député et qui lui-même était parmi député qui accusé président qui était supposé rejeter tout ça président fait parce que yo dit que monsieur est trahi nation. Donc nous non galimatia n'attendé député Hermano Exinor qui était parlé comme ça dans micro Vinel Joseph. Puis hier, le bureau de chambre députée a été voyé pour nous et arrêté qui nommait cabinet ministériel là avec une modification de 5 ministres. Et il a été voyé avec tout dossier ministériel hier soir et pendant tout le temps, la commission a commencé à travailler sur ces 5 ministres. Ça m'a permis d'avancer pour arriver avec un rapport final là. Mais le rapport final là, dès qu'il est après, suite avec un nouveau et arrêté ça, il permet que la commission ait l'autre travail pour faire en plus. Et hier, nous travaillons sur le dans les plans et maintenant toute sous-commission y aurait tourné encore à travers deux institutions que nous avons déjà pour nous garder authenticité toute pièce que le ministre a déposée et la chambre députée a été assurée par la bureau commission. Alors, rappelez-nous qui institution nous avons gagné pour nous à faire travail de recherche pour nous capables d'identifier les pièces et ministres. Nous avons trois sous-commissions, nous allons dans l'immigration, nous allons dans l'Assemblée nationale, nous allons dans l'ONI, nous avons l'autre commission qui allait dans la DCPJ, qui passe dans le ministère des Affaires étrangères et qui allait dans pour au moins qui vérifier. Et ensuite, nous avons l'autre commission qui allait dans la DGI et qui allait dans la Cour supérieure des comptes pour essayer de vérifier l'authenticité des pièces. Et mon yo déposé. Et puis il y a l'autre commissaire encore qui est allé dans le bureau notaire pour vérifier est-ce que c'est des propriétés que mon a déposé, est-ce que c'est des propriétés qui sont fiables. Alors en fait, nous avons 5 nouveaux ministres qui sont rentrés dans le cabinet ministériel là. Est-ce que les gens qui étaient là avant, c'est des gens dossiers qui ont des problèmes? Bon, c'est vrai que nous, même au niveau de la commission, nous n'avons pas souhaité ça arriver parce que nous avons pour déposer le rapport final. Mais nous sommes capables de peut-être dans la commission, capables de confier en avant et c'est plus en avant ça qui permet que les gens sont capables de gagner information qui permet que pour arriver démissionner. Mais il faut dire que dans l'analyse nous avons fait, nous avons estimé que dans le dossier ça a été gagné anomalie là-dedans. Même si nous avons sorti le rapport, est-ce que ce n'est pas sous base d'informations qui permet de arriver des missions. Donc ça, c'est des questions que nous avons essayé de poser. Mais nous avons essayé de travailler au niveau commission avec toute sérénité pour ça qui est produit, par exemple, encore, qui va permettre que le rapport commission ait un rapport secret et qui va saisir c'est l'Assemblée chambre des députés à saisir pour lui pour avoir toute information qui a besoin sur la question rapport. Alors, nous, ce changement au fait dans l'affaire étrangère, dans la culture, dans le tourisme, éducation avec sport. Mis à part Mounzaïo, est-ce que vous avez des autres encore dossier où vous avez certaines irrégularités? Pas oublier que nous liés avec l'article 172-1 qui paye qui ça au monde doit gagner pour ministre et il y a 4 alinéas à la dernière. C'est que mon qui pose des problèmes de charge, pour ça, nous ne pas de suite que l'information est refutée. Et il y a des gens qui ont des problèmes de propriété, pas de souhaiter prendre de l'eau et qui mettent de l'eau. Et il y a des gens qui ont tout sur question
précisément par rapport à travail que nous faisons depuis 3 semaines. Est-ce que nous avons un délai pour nous capables de produire rapport à nous-mêmes dans le niveau commission? Oui, dans le niveau commission, nous faisons une institution, nous avons bénéfice de l'urgence et nous avons une mission d'ici que nous avons fait tout effort pour nous déposer rapport à notre chambre des députés parce que nous estimons que nous avons pile le temps avec le travail là et même si le travail là est difficile, pas facile. Mais je vous dis à nous, ouais, que l'IBA est important et urgent pour nous remettre rapport à la et qui va permettre que la société, la nation haïtienne, quoi.